Et pour vous, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, la différence, c'est la différence dans le comportement, ouais. Déjà, la posture physique, ouais. Et après la différence aussi physique. Voilà, physique, simplement. Mm-hmm. La différence, c'est un outil pour se positionner. Et des fois, il y en a qui vont augmenter cette différence volontairement pour exister un peu, peut-être. Pour commencer la différence, alors moi, j'ai une phrase, c'est « tous différents, mais tous égaux ». C'est ça qui est primordial. Mm. Voilà. Il y a la différence, surtout, je crois, la plus importante en ce moment, c'est la différence sociale. Après, c'est la différence selon où vous naissez. Ah oui, le lieu. Où et dans quel milieu, il y a des différences. Il n'y en a pas une parce qu'il y a beaucoup de différences. Ah, des différences de couleur, ouais. Des différences avec les gens handicapés. Oui. Voilà, donc il y a beaucoup de différences. On est handicapé, qu'on n'est pas pas dans la société. Tout le monde est différent, ouais. Et qu'il faut respecter les différences de chacun. Bien sûr, il faut se défendre, mais il faut respecter la différence de chacun. Ouais. Ça peut être la différence de classe sociale, la différence de couleur, la différence de personnalité. Voilà, il y a tout un tas de différences. Ah, il faut l'accepter. Quoi. C'est un peu la samsarachi. Oui. Et parce que ça peut être des copies sur le progrès, par exemple. La différence, c'est aussi la tolérance, accepter qu'on ait des goûts différents. Qu'on ait une culture différente, qu'on ait une vie différente des autres, hein, et c'est la richesse, la différence. Et la différence aussi, c'est ce qui fait vivre nos démocraties. Parce que je pense que si on s'écoute, si on essaye de se comprendre malgré toutes nos différences, hein, eh bien ça fait vivre nos démocraties. Hein. On le voit souvent dans l'actualité, hein, entre les différentes communautés, que ce soit religieuses, sociales et autres. Et on voit qu'à partir du moment où on se tourne le dos, hein, c'est un danger pour la démocratie, pour notre société. Donc la différence, c'est source de tolérance et d'enrichissement pour tout le monde. Il n'y a aucune différence entre jeunes et vieux. Tout le monde s'adapte à sa maman, ouais. C'est la même chose. Vieux ou jeunes sont les mêmes. C'est le partage, donc c'est voilà. Ça pour vous. Et oui, j'espère que ça dure. Ouais. Et oui. Voilà.